Je fais 15 degrés dans mon cul. Hein? K.O. Si j'ai besoin de me réchauffer. Je sais où aller. Bon. Bonjour à tous, bonsoir à tous. À la demande d'Adrien, je vais vous expliquer comment attraper des fantômes. Alors, laissez-moi le temps d'allumer une petite cigarette. Je reviens. Je disais, comment attraper un fantôme? C'est bien simple. Premièrement, il vous faut un petit peu de patience. Tu sais que ta lumière même. Tu l'as dit, je vois rien du tout. Je vais la baisser un peu. Ça va mieux? C'est mieux. Ouais. Donc premièrement, oui, il faut beaucoup de patience. C'est ça la clé du succès. C'est que plus vous allez passer de temps dans un lieu, et plus vous aurez de chances de pouvoir apercevoir un esprit, une ombre, une température qui chute, voilà, d'un seul coup. Attendre, c'est le mot d'ordre, voilà. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour attraper un fantôme, il faut vous munir d'un échantillon assez grand d'appareils nécessaires à la capture du fantôme. Est-ce que, Adrien, as-tu des choses à rajouter par rapport à ça? Pour apporter une précision à ce point. Alors, non. Non. Troisième point à aborder pour attraper un fantôme, un esprit, une ombre vagabonde. Le troisième point, si je m'en souviendrai, je vous le dirai, déjà. Parce que je l'ai pas en, je l'ai plus en tête. Est-ce qu'Adrien, tu sais... est-ce que tu sais... Adrien, Adrien? Ouais. Ah. Ouais, ouais. T'es toujours là, ouais. Oui, oui, bah c'est moi qui tiens la caméra. Ouais, la caméra. Après, le troisième point, je dirais... il faut s'armer de patience. C'est ce que j'allais dire, il faut s'armer de patience. Tout à fait. Attends. Non, mais on a merdé. Oui. On a merdé. Pour? Bah, c'était le premier point. S'armer de patience, c'était le premier point, mais c'est aussi le troisième point. Ouais. Oui, exact, voilà. Ouais. Exact. Ça se rejoint, en fait, c'est, ouais. Voilà, c'est similaire, on va dire. S'armer de patience et être patient, c'est un peu la même chose. Voilà. Quatrième point, je dirais qu'il faut trouver un lieu quand même... Un lieu propice. Un lieu propice à la capture d'un fantôme. Je suis là. Ouais, je disais, quatrième point, il faut s'armer de patience. Non, il faut trouver un lieu adéquat. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Donc il faut s'armer de patience. Dans un lieu adéquat. Donc un lieu adéquat, c'est-à-dire une maison abandonnée, un manoir brûlé, une caverne. Une caverne, oui, s'il y a des gens qui ont habité dans la caverne, oui, vous pouvez aller dans une caverne, mais sinon, ce serait un peu compliqué d'y trouver toute forme de fantôme. Voilà. On peut partir sur d'autres points après, hein, mais je vais quand même finir ma clope avant. On se sent bien ici, on est un peu... On est comme chez nous. Hein. Un peu comme chez nous, voilà. Si vous voulez, je peux vous faire un peu la visite de ce lieu en attendant la fin de ce mégot. Vous avez ici le salon, anciennement le salon, avec la cheminée principale de la pièce. Donc une cheminée, voilà, de tout ce qu'il y a de plus basique. Il y avait ici, je pense,
la télévision. Voilà, avec le canapé d'angle ici. Voilà. Ensuite, on va s'aventurer vers là-bas. Donc ici, c'était le coin cuisine. Voilà. Cuisine avec bar américain et tout ce qui va avec. D'ailleurs, il en reste un bout. Hein. Voilà, il reste un bout du bar américain. Vous voyez là, c'est la structure. Là, c'était le porte-manteau. Voilà. Au cas où. Et ce que j'allais dire, voilà, c'est que on voit qu'il y avait quand même pas mal d'habitants ici, parce que vous avez un porte-manteau juste là, un deuxième juste ici. Si on continue par là, vous en avez un ici coulissant, un porte-manteau coulissant. Ensuite, on peut aussi s'apercevoir que c'était une famille ou au moins la personne qui elle était seule. Elle était sportive, parce que vous avez ici une barre de traction. Voilà, ici, juste ici. Par là-bas, c'était le coin salle à manger, avec la table ici. Une table qui servait aussi, je pense, de porte. Voilà. Juste ici, vous avez la baignoire. Une baignoire plutôt petite, mais quand on y est dedans, on y est bien. Pour une seule personne, j'en conviens. Avec, bien sûr, l'arrivée d'eau, ici. Ici, c'était le portant pour le gant de toilette. Voilà. Donc ensuite. Et là, c'était quoi? Tout ça. Ici. Ici, c'était en fait le mécanisme qui permettait d'activer la douche. Voilà. C'était. On appuie ici, on tirait sur le fil pour avoir une arrivée de douche en fait. Hein. Une pluie de douche pour la douche. Voilà. On a fait le tour, hein? On a fait le tour quasiment là-bas au fond, on peut y aller, c'était le coin chambre. D'accord, qui pouvait accueillir jusqu'à 4 personnes. 4 personnes, oui, parce que tu pouvais à mon avis mettre plusieurs Des lits superposés, voilà. Sachant qu'il y avait le porte-manteau juste ici, la fenêtre pour aérer. Voilà. Ouais, c'était quand même un porte-manteau qui du coup était très agréable parce que tu pouvais enlever ton manteau et te mettre dans le lit directement. C'est vrai. Éviter les coups de froid. Tu enlevais ton manteau, tac, tu te mettais dans ta couverture pour éviter d'avoir froid. C'est vrai. Sauf si, bien sûr, la cheminée était allumée. Oui. Voilà. On peut passer au point suivant. Alors, voilà. On était au combien? Cinquième point. Le cinquième point, je vais l'aborder. Je vais l'aborder, moi qui suis derrière la caméra. Écoutons attentivement. Alors, je sais pas si tu es d'accord, hein, mais... Non, je suis pas d'accord. Ok. la plupart du temps, il faut être dans le noir complet. Tout à fait. Et être filmé par ce qu'on appelle une lumière infrarouge qui est juste ici, avec la caméra. On peut aller voir. Hein. On peut aller regarder ce que ça donne en éteignant les lumières. Juste on va ici. Éteindre les lumières. Vous avez juste ici la lumière infrarouge. Qui est. Qui n'est pas attachée. Qui n'est pas attachée, mais elle est un peu. C'est fait exprès. Hein. C'est aimanté. C'est, voilà, ça tient directement sur la caméra. Et hop, on va. Petit. Alors, petit problème. Bémol, la caméra n'est pas si aimantée que ça. Alors, voyons voir si elle fonctionne encore. Oui, c'est bon. C'est bon, tout va bien. Alors. Je vais essayer de vous montrer, je suis pas sûr que ça fonctionne. Hein. Moi je vous garantis pas. Oui, on voit un petit peu. Ouais, je vais mettre ma tête devant la caméra, vous verrez que c'est assez drôle. On ne voit pas. Vous ne me voyez pas. Et là? Ouais. Et voilà. Ça s'appelle une caméra infrarouge. Vas-y, recule pour voir. Je recule. Donc là, à partir de là, c'est parfait, t'as ta lumière rouge en plus. Ouais. Ouais. Voilà, donc
qui ne se voit pas d'ailleurs. Ah bah ouais. Donc voilà un peu, hein, c'est un les peu points l'ambiance. Pour... Il faut se mettre dans une ambiance un peu de pénombre. C'est rien, moi qui ai fait bouger. D'accord. Voilà, après voilà, c'est... Oui, je marque sur le support. Donc après, voilà, hein, on peut introduire les autres. Non, je rêve. Il est allumé. Hein? Il est allumé. Il s'est éteint? Il s'est éteint. Il s'est éteint au bout d'un certain temps? Non. Ah. Ça fait exprès. -12 degrés. Oui, 12 degrés, ça a bien chuté. La nuit est froide. La nuit est fraîche aujourd'hui. Et vous avez le petit donc enregistreur numérique qui est juste ici hein, pour enregistrer les voix. Non, c'est ça. Là, c'est ici. Voilà, ouais. C'est. Et là, c'est. Petit appareil. Ici, c'est pour détecter la température et les champs électromagnétiques. Est-ce que tu nous entends? Et oh. Est-ce que tu me sens? Et oh. Touche-moi, je suis. Et oh. En tout cas, bah, c'était voilà. Une belle visite et un bon tuto pour... Attraper des fantômes. Voilà. Attraper. C'est un grand mot, attraper... On ne peut pas attraper ce qui est invisible. On peut attraper un Pokémon, mais attraper un fantôme, c'est non. Compliqué. Non. C'est plutôt être en contact avec un fantôme et pouvoir discuter tranquillement avec celle-ci, avec celui-ci, ou celle-ci. Ou... Oui, ou cela. Ou cela. Voilà. En tout cas, bah merci Clément pour ce tuto. Ah, merci. Je pense toi que beaucoup de personnes vont pouvoir attraper des fantômes. Voilà. Voilà. C'était une belle vidéo fantomatique et instructive, je l'espère. Oui. Voilà. Sur ce, nous vous souhaitons à tous un très bon abonnement sur notre chaîne. Et de multiples vidéos qui succéderont à celle-ci, voilà. En espérant pouvoir faire d'autres vidéos par la suite si nous arrivons à bon port en sortant de ce lieu. Voilà. Nous vous souhaitons à tous une agréable soirée. Au revoir. Au revoir.